nouvelle vidéo, on se retrouve devant un distributeur de cartes vintage. On s'est dit avec Alex qu'on aimerait bien se prendre un budget de 50 euros, donc ça fait à peu près 8 000 yens pour voir si on peut être rentable avec 50 euros. On a 50 euros dans les mains et on s'est dit que c'était le budget un peu accessible pour tous. Si vous, vous êtes au Japon, ben vous pouvez dépenser 50 euros dans des distributeurs de cartes Pokémon où vous n'allez pas dépenser 500 euros. Distributeur vintage est là, vous le savez, dans l'épisode 1, il y a Mae qui avait tiré des dingueries, dont le Mew Kurokuro. Et du coup, voici ce qu'on peut avoir dans ce distributeur. On est à Osaka et je vais vous faire un petit tour. T'es d'accord ou pas, Mae? On leur fait un tour après, mais c'est une dinguerie. Enfin, bref, vous allez voir. Du coup, là, on a deux étages. Le premier, il y a des holographiques du bloc Wizard. En gros, c'est des holographiques qui datent de 20 ans. Au niveau des états, on a déjà testé un peu ce distributeur. C'est moyen. Mais si on peut avoir le Voltali, ça, on valide. Ensuite, on a le deuxième distributeur. Et là, il y a de l'holo du bloc X. Il y a des cartes noir et blanc. Il y a des cartes X et Y. Il y a de la niveau X. Franchement, c'est une petite dinguerie. Donc, on va tester les deux. Mais moi, je veux en priorité celui-là. Parce que je veux quelle carte de ce distributeur? Tu veux quoi, toi, dans ce distributeur? Moi, je veux le Voltali. Oh, ça, c'est une dinguerie. Ou le Démolos. Les gars, il y a Démolos. Oh, ça serait ma carte ultime. Oh, la Kazam aussi. Ouais. Non, en vrai, il y a des dingueries dans ce distributeur. Il y a de grave bon truc. Alors, ça se présente comme ça. Voilà. Donc, il y a Mae qui a les bras le long du corps en mode random. Là, on a les distributeurs. Donc, il y a plein de distributeurs. Et là, il y a les distributeurs vintage. On peut avoir des boosters dans certains distributeurs. Là, comme vous le voyez, il y a encore des distributeurs. C'est vraiment le paradis des distributeurs Pokémon. Hop, là, il y a un truc full Dracaufeu. Voilà. Il faudrait qu'on le teste un jour. Ce truc. Franchement, 2000 yens, c'est assez cher. Mais si on a un bon Dracaufeu, ça fait plaisir. Et Mae, tu vas commencer tout de suite cette vidéo avec le premier billet. Et let's go, Mae. Commence à mettre le billet on va acheter les premiers packs vintage. Est-ce que t'as une stratégie pour ici? Pour ici, en vrai, je vais prendre. C'est quoi ta stratégie? Deux derniers. Viens, on vide la colonne de droite. Ok, vas-y. Ça te chauffe? Comme ça, on va voir ce qu'il y a. Parce que hier, quand on était venu, c'était la colonne d'ici qu'on a eu de bonnes cartes. Ouais, donc vas-y, on va tester. Donc là, on a commencé à mettre l'équivalent de combien? 7-8 euros. C'est 4 euros le pack à peu près. Alors, et on va voir si on peut avoir une dinguerie. Mais régale-nous dans cette vidéo. Pack. L'objectif, c'est quoi, Mae? C'est d'être rentable. Franchement, c'est d'être rentable. Exactement. Ça peut vite l'être. Donc, écoute, ça peut vite l'être. Foi, donc, on va essayer de vous montrer si c'est possible. Mae, t'as une dinguerie. Non. Mae, t'as une dinguerie. Premier pack. Mae, t'as une putain de dinguerie. C'est quoi? T'as une holographique Wizard, Mae. Oui. Elle est dessus, Mae. Devine. Non. Devine ce que t'as. Je te jure, ils sont choqués. Les abos, ils sont choqués. Elle est trop forte. Mae. Non, c'est quoi? Si c'est le vénère, ça? Tu as une holo Wizard, regarde ça. Mais j'aime pas trop ce regard. Elle est incroyable. Ok, j'ai une holo. Oui, let's go. Oh, l'état. Oh la dinguerie. Et l'état, on est comment? Wesh, ça va, hein. Ah, c'est mieux comparé à hier. Ah, c'est bien ça. Oh là 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 là. Elle est incroyable. Et premier pack. Deuxième pack. Mais tu sais qu'il est... C'est cheat, j'ai l'impression, ce distributeur. Deuxième pack, une autre holo. Non, en vrai, n'en demande pas trop. T'aimerais Celebi, toi? Attends, c'est à l'envers. Ah, mais là, c'est un pack avec plusieurs cartes. Donc vas-y. Non mais déjà c'est très bien. Là cette vidéo commence super bien, okay. Mais restez bien jusqu'à la fin. Pourquoi ils doivent rester jusqu'à la fin? Parce qu'on va tirer des molosses à la fin de cette vidéo. C'est obligatoire. Ok, c'est une énergie. Ok, ouais, là j'ai l'impression que c'est vraiment que des communes. Ok, et derrière un soporifique. Et bah là, ok, c'est vraiment. Est-ce qu'on a été rentable? En vrai, moi je pense oui. Oui, tu penses? Pour 1000 yens, franchement, c'est intéressant. Déjà 1000 yens, ça fait combien exactement? Ça fait 7 euros. Là ça fait 7 euros l'holo Wizard. Mais oui. Moi je pense que ça fait moins encore. Ça fait moins. Vas-y, fais les calculs et montre-nous. 1000 yens. Ça fait 6,17€, c'est 3€ le pack, les BG. Et tu penses que ça vaut plus que 6€? Ouais, je pense que ça vaut plus que 6€, bien sûr que ça vaut plus que 6€. C'est une dinguerie, ça commence très bien. Allez, essaye de faire mieux. Je te mets au défi de mieux faire. Je prends un billet et là, la technique de Mae, c'était d'aller sur la droite. Moi, je pense qu'on a eu le gros hit de droite. Tu penses? Ouais, franchement. Tu penses qu'il y a un gros hit par étage? Je pense que, tu sais, hier, on a eu des bonnes cartes ici. Là, on a eu ça. Donc, moi, je vais aller au troisième. Okay. Et je vais en prendre deux au troisième. Mon but ultime, c'est le Démolos. On ne part pas tant qu'on a Moi, je veux Celebi. Tu veux Celebi? Ouais. Eh bien écoute, on va essayer d'avoir ça. Donc là, on récupère les packs. Vous connaissez. C'est des cartes Pokémon vintage. Si on peut avoir quelque chose de bien. Arrête en fait, de te moi, spoil. Moi, ce qui me rassure, c'est quand il y a une carte, je sais que ça veut dire que c'est une bonne carte. Ouais. Montre-nous. Tu nous montres. Il y a plusieurs cartes. Oh non. Il y a plusieurs cartes, désolé. Oh non. Mais on va voir si on peut avoir quelque chose. Mais du coup, moi, je pense que là, t'as pas d'holo en fait. Ouais, t'as une énergie, genre deux communes. Hop, là, t'as une énergie. Ouais. Et ensuite, t'as deux communes, voilà, c'est ça. J'espère pour toi que t'as une carte dans l'autre pack. Exactement. Ça veut dire que si on a un pack avec une seule carte. Techniquement, on est une holographie de Wizard. Ou après, on peut avoir d'autres choses qui sont pas des holos, mais ce piquet, je le connais pas du tout. Franchement, si tu me touches chez Voli, je serais contente aussi. Hein. Oui, mais il y a les cartes dedans. Oui, allez, deuxième paquet. Est-ce que c'est une carte ou plusieurs?
Ah, c'est plusieurs cartes. Oh non, allez. Je vais pas mentir, c'est plusieurs cartes. Qu'est-ce que t'as fait? Ok, Lamantine, Entraîneur, et derrière, Ramolos. Ok, donc il faut vraiment qu'on chasse les packs avec une seule carte intéressante à l'intérieur, quoi. Moi, je pense que c'était pas la bonne allée. Tu penses que c'était pas... Moi, je pense si, justement. Moi, je pense pas. Tu penses pas? Ok, moi, je vas-y, pense pas. Tu choisis. Pour l'instant, je suis quand même content. Le dessin, mais c'est toi qui as le plus de chance. Tout le temps, t'as le plus de chance, en vrai. Oui. Vas-y. Et tu refais une deuxième fois? Deux packs, quand même. Moi, j'ai eu deux packs nuls, ouais. Bah après c'est le jeu en vrai, moi je veux pas dire c'est une arnaque ou pas, au contraire je trouve ça cool qu'il y ait les cartes voilà, qui sont promises un petit peu dans les packs mystères, au moins c'est honnête. En tout cas je suis contente parce que vous savez, dans un distributeur d'eau, bah, une fois j'ai payé, j'ai jamais eu mon eau. C'est vrai. Du coup bah, là je suis contente parce qu'il y a tout le temps des packs qui tombent. Oh c'est gentil. Ok, je crois qu'il y a qu'une carte avec. Non il y a qu'une carte, mais il y a qu'une carte, il y a qu'une carte ou pas? Oh let's go, t'as une carte du distributeur encore. Mais c'est trop bien. C'est une regarde. Ah c'est ça? Non, t'as celle-ci. Oh le Pikachu des jungles. Par contre les tailles ils abusent. Ah bon? Regarde, ouais regarde, c'est hardcore. Franchement, essaye de faire un focus dessus. Mais la carte est incroyable. Attends, franchement tu peux être contente. Tu peux être contente, la carte est incroyable. Non ouais mais c'est... ça va, ça va. L'état ça va, mais là je dirais pas qu'on. Je sais pas si on est rentable, je sais pas combien vaut cette carte. Je pense. Qu'il y a plusieurs cartes. Il y a plusieurs cartes. Aïe 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 aïe. Mais moi j'ai des cartes du distributeur hein. Toi t'as des cartes du distributeur, t'as vraiment beaucoup de chance en vrai. C'est une dinguerie. Ah, ouais, t'as plusieurs cartes. Mais il y en a l'état, beaucoup là, non? Pire. Oh, l'état, c'est hardcore. Ça se fait pas. Wow. Oh, ok, et qu'est-ce qu'on a? Oh, oh là là, let's go, il y a eu un reptincelle de fou. Beau. Ça, c'est bien. Mais regarde, en ça, c'est un beau pack. Ouais, l'état, c'est compliqué. Mais ça, c'est bien en vrai. Ça, c'est, ça tu peux être contente. Ah oui, tu peux être contente. Ça, c'est un petit 6 sur 10. Ça, c'est bien. Ouais, ouais, c'est bien. Et l'autre carte aussi, le Magikarp, il est Magikarp, grave beau. Ouais, après c'est oh, c'est trop bien. Non, ça c'est un bon pack. Vas-y, viens, on continue, on vide ce distributeur. Okay. Et on va essayer d'avoir des meilleures cartes, mais pour le moment, c'est toi qui assures. Bah, apparemment, t'es pas très chanceux aujourd'hui. On espère que vous kiffez les vidéos distributeurs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter. Et oui, commenter aussi, pourquoi pas. Okay. Et bien, il faudrait peut-être sélectionner. Faut sélectionner. Donc moi, je vais faire... J'étais à la 3 ou à la 2? T'étais à la 3. J'étais à la 3. Donc vas-y, je vais vider la rangée 3. Tu veux continuer 3? Je continue la rangée. Mais Alex, 3. La rangée 3, c'est la poisse. Je vais vider. Mais c'est pas la poisse, dis pas ça. Je t'ai dit que c'est la poisse. Oh okay. Là là, ta grosse tête, là, je peux pas voir les packs. Ok, donc les deux packs sont tombés. En vrai, ils ont l'air légers. Je te ah jure, bon ils ont l'air grave légers. Ah bon? Ouais, je te jure. Par contre, Alex, j'en ai marre, tu nous montres. Par contre, si j'ai un démolos, montre-nous. Arrête de regarder. Okay, moi, je fais que ça. Il n'y a qu'une carte, mais. Oh, mais arrête. Montre-nous. Les gars, il n'y a qu'une carte. Allez, allez, allez. Mets la pelote. C'est dans le bon sens ou pas? Je peux regarder ou pas? Non. Mets la pelote. Non, dans le sens. Oh. C'est bien ou pas? Il a une holo. C'est une holo bizarre? Oui, elle est sur le truc. Non. Elle est sur le truc. Je dis toujours croire en ses rêves. Elle est... C'est Kikli? Oui. Non. Sérieux? Si, oui. Tu sais qu'on l'avait pas? Ah ouais? Mais bon, c'est pareil, ils abusent un peu sur l'état. Hein. Vas-y, viens, on va un petit peu voir à la lumière. Regardez ça. À la lumière, elle est belle la carte. Hein. Wow, ouais, par contre, là, regarde, bas, tu vois. C'est ouais, art. C'est ça. Oh là-haut. Ouais, c'est pas ouf. Ouais, mais ouais, mais Maxipli. En vrai, ça va, c'est quand même Lolo Louisard, tu vois. On va pas se prendre. On paye 500 yens, tu vois, regarde ça. Est-ce que c'est acceptable? C'est quand même beau. En vrai, ça va. Mais ils abusent un peu quand même. Allez, l'autre pack, il a l'air léger, non? Le pack, je sais pas, mais je suis grave content en tout cas. Au moins, t'as une carte. Il y a qu'une carte, mais. Non. Je te jure. Arrête de mentir. Montre-nous. Montre-nous. Ok, donc là, on a une holo wizard. Okay, la wizard, je la garde. Est-ce que c'est dans le bon sens? Non, là, c'est dans ton sens à toi. Ok, comme ça? Voilà. Ok. C'est bien. Holo. Holo encore? Oui. Moi, c'est une trainer. Oh, mais c'est une holo wizard encore. Mais ah, bah, elle y est aussi. Mais les gars, par contre. On est en train de tout avoir. Vider ce distributeur vintage, c'est réel. Soit il y a personne qui l'a utilisé ce distributeur. Wow. En vrai, soit tout tombe à la fin. L'état c'est pas ouf, je vais pas mentir, mais pour 500 yens, c'est correct. Elle on l'avait jamais eu. Elle est stylée hein. Ça va, là ça veut dire que déjà mais... on a fait je crois 4 packs, enfin on a au total on a dépensé trop 4000 yens. 4000 yens je crois et on a eu combien de lots? On a eu une, deux, on a eu le Pikachu. Et 3. Donc 3 holos, le Pikachu, c'est pas mal, c'est pas une arnaque. Ok, c'est à moi. Mais on va continuer jusqu'à avoir ce démolos. Oui, moi non, moi je veux Celebi. Oui, toi tu veux Celebi. C'est lequel Celebi? Il est où? Il est là, le ah, il est beau. Ouais, ouais, lui il est beau de Néo Révélation. Mais du coup, je pense qu'en fait, dans chaque colonne, il y a. Ouais, donc exactement. Là, je vais aller là, donc là, vas-y, on va faire toutes les colonnes. Je crois que c'est un glitch. Si vous êtes au Japon, faites toutes les colonnes à partir du moment où vous avez une holo. Parce que je pense pas qu'elles sont à la suite, quoi. C'est comme, t'en souviens à Tokyo? Ouais. C'était deux colonnes différentes. Et là. Oh là là, c'est incroyable. Allez, deux nouveaux packs.
Oh, t'es cute. Oh, toi, c'est fini, toi. Là, il y a des cartes de plot. Donc, t'as des paquets, hein, j'ai l'impression. Hein. Il n'y a qu'une carte ? Non, c'est un paquet. Voilà, donc. Et là écoutez, aussi, il y a plusieurs cartes. On va pas le faire pendant 40 ans. Hein. Voilà, oh, je vais le déballer. Ok. Et qu'est-ce qu'on a ? Voilà. Ok, fin du show. Et là. Plusieurs cartes. Oh là 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 là, Maët à la poisse. Mais c'est pas grave, parce qu'on va refaire. T'as fait celui-là ? Oui, j'ai fait lui. Tu peux avoir une bonne carte, hein, mais bon. Ouais, voilà. Ouais, c'est chaud là, Maët. Là, t'as pas eu de chance. Vas-y, refais. Ah, refais, ouais, ouais, refais, Maët. On a confiance en toi, tu viens de tirer du lot. La même colonne. Hop, je prends un billet. Moi, je pense que... Putain, je veux vraiment le démolos. Mais il est incroyable. S'il te plaît, tire-le au moins, mais... Et après, ça se trouve, il y est plus, hein. Ça se trouve, quelqu'un l'a eu, hein. Ouais, je te prends les packs. Hop. Ouh. Ouais, ils sont lourds, mais... Oh, je crois les packs sont lourds. Ouais, ils sont lourds. Par contre, c'est la pire colonne. Mais non, il faut qu'on continue cette colonne, t'inquiète. Oh, vas-y, montre-nous quand même ce qu'il y a. Ok. Donc là, on a deux cartes. Et le spectrum. Ah non, j'ai cru que c'était celui-là, non, mais non, il y est pas. Ça serait une holo, du coup, il serait tout seul. Ouais. Ok. Et ensuite, est-ce que c'est encore une carte ou plusieurs ? Plusieurs. Ouais, plusieurs. J'ai la poisse, les gars, ça y est. Oh, t'as la poisse. On vient de se faire ruiner là sur 2000 yens. C'est dur de fou. Bon, j'ai l'impression que ça doit être à mon tour. Hein. Ouais. Moi, je vais récupérer tous les meilleurs packs de ce distributeur. Punaise. Ils sont lourds, mais cette c'est pas année, vrai. Elle est maudite. Donc là, on a le premier oh pack. Oh là là. Après, c'est tombe jamais, je sais pas, sur un coup de chance. Non. Non, c'est dur. Pareil, il est lourd malheureusement. Hein. Il est lourd. Aïe, 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 aïe. L'erreur. L'erreur fatale. Et il n'y a rien du tout, les gars. Il n'y a même pas de belle carte. Attends, non, Alex, slam, pour les derniers milliennes, il faut vraiment qu'on réfléchisse sur quelle colonne. Ouais, mais moi je pense qu'il faudrait faire la même, on ne tourne pas notre veste. Mais moi j'ai l'impression que c'est une colonne. Moi je suis. Ah ouais ? C'est chaud de tourner sa veste. Hein. Il reste qu'un billet ? Il nous reste un billet de vienne. C'est pas vrai. Donne-moi les cartes, concentre-toi. Merci. Le dernier billet de Millienne, c'est toi qui veux le fermer. Ah, on a confiance en toi, mais t'en es capable. Si quelqu'un peut faire une dinguerie, c'est toi. On a même pas fait lui en plus. Ouais, on a même pas fait celui du haut. Bon, on le fera dans une autre vidéo. On reste sur ça, du coup. T'en es capable. Vas-y. Vas-y, montre-nous. J'ai envie de changer le destin. Fais comme tu le sens. Fais comme tu le sens, tu es une grande, Maëlys. Fais-nous rêver. Oh, non, mais non. On est tiré des dingueries dedans. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Mais non, elle a paniqué. C'est le dernier. On a déjà... Les gars, on avait tiré des dingueries dedans. Mais non, mais c'est sûr. C'est léger. Mais non, il est pas léger. C'est le dernier léger, oui, oui, bien sûr. Oui, c'était celui-là, oui, qui était léger. Hein. Oh, c'est une carte distributeur. Il y a qu'une carte. C'est une carte distributeur. Oh, le Spectrum. Je sais pas si c'est une bonne carte, je la connais pas. En vrai, ça a pas l'air d'être un truc de fou, mais... Oui, bien sûr, si, oui. Il y a personne qui te croit, mais elle était une menteuse. Mais on a encore une carte du distributeur. Ça, c'est bien. Et l'autre? Là où, c'est... oui, c'était quoi? Voilà, c'est un paquet. Voilà. C'est pas du tout un paquet. Je sais pas si elle est bien cette carte. En vrai, elle est assez abîmée quand même, donc pas ouf. Ouais, vraiment pas dingue. Maë, on doit pas s'arrêter là. On ne va pas s'arrêter là dans cette vidéo. On va aller retirer de l'argent et on va continuer de défoncer ce distributeur jusqu'à le vider tout simplement et avoir des molosses. Let's go. On est allé retirer du coup un petit peu plus d'argent. Au moins, on a été honnête et vous savez ce qu'on a pu avoir pour 50 euros. Maintenant, on va essayer d'aller au bout du concept, c'est-à-dire qu'on a été retiré un peu plus d'argent. On va pas dépenser les 10 000 yens, mais je pense qu'on va claquer encore 3-4 000 yens en fonction de la pioche. Et l'objectif, c'est d'avoir soit le Celebi, soit le démolos. On doit avoir une de ces cartes. Tiens, mais vas-y, régale-nous. Continue sur ta lancée, mais ne va pas dans le dernier. Ah, fais comme tu veux. En vrai, fais comme tu le sens, mais. C'est bon, je vais là. Mais tu venais pas d'avoir un truc ici ? C'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, montre-nous ce dont t'es capable. Ok, ça te fait du mal de savoir que c'est pas des gros hits ? Ok, vas-y, montre-nous. C'est un paquet. C'est un paquet, ok, super, merci. C'est dur psychologiquement. En fait, c'est dur de se dire que, tu sais, dans l'autre distributeur, ça, c'était des paquets, mais tu pouvais avoir une dinguerie. Là, c'est dur de se dire, ouais, s'il est lourd ton paquet, bah t'as forcément rien dans le pack, quoi. Mais on n'a aucune holo du set de base pour le moment, ce qui serait vraiment cool. Et tu fais quoi là? C'est un paquet encore. Waouh. Waouh, la dinguerie. On se fait scam dans un distributeur vintage, c'est ça le titre en fait. Bon, mais je pense que tu fais des bêtises là. Tu fais trop de conneries. Ouais, là, franchement, t'assures pas. Ok. Ok, bon, je vais vous montrer, je mets 1000 yens. Hop, je fais ça. Vous prenez 1000 yens, vous les mettez, ok? Donc déjà, faut qu'ils rentrent. Cinquième au milieu, enfin en quatrième, tu vois? Il y en a trois à droite, trois à gauche, ok? Tu vas ici et t'appuies deux fois dessus, ok? Donc là, j'appuie une deuxième fois. Ça, c'est pour avoir le démolos. Si vous le voulez dans votre vie, vous faites ça. Une fois que vous faites ça, vous reprenez un billet. Vous le prenez, vous le mettez dans le distributeur.
Et vous? C'est vide, Alex. C'est sold out. Oh. Et je remonte mon billet. Il m'a rendu mon billet. Mais bien, on a vidé le distributeur. Bon, après, j'aurais pris au-dessus. On va prendre au-dessus, de toute façon. Mais ça veut dire que là, si... Ça y est. Oh, what? Mais attends, je suis choquée. On peut avoir Demolos ou Celebi ou peut-être rien, en fait. Peut-être que ça a déjà été tiré. On est sur les derniers packs de ce distributeur vintage. On l'a ruiné. Par contre, on l'est jamais. La vie de ma mère, ils sont déjà... Les deux? Je sais pas, mais... Ah, quoi que... Ah, je sais pas. Ok. Attends, mais on peut avoir une carte du distributeur, là, t'en as conscience ou pas? Montre-nous. Lui m'a l'air lourd, mais lui m'a l'air léger quand même. Attends, on commence par lui, parce que lui m'a l'air lourd, ok? On va voir, peut-être que je me trompe, peut-être que je dis des bêtises. Mais lui... C'est un pack. Ça, c'est un pack, donc je vous le montre quand même, parce que voilà, ça vous permet d'avoir une idée de la façon dont vous pouvez vous faire douiller. Voilà, tout simplement. Merci. L'expérience est gratuite. Par contre, ce pack, il m'a l'air léger. Et dans ce pack, tu nous montres, s'il te plaît. On va avoir Demolos ou Celebi, ça serait extraordinaire. Je vous montre. Vas-y. Mais attendez, ça se trouve, je me trompe. Et ça se trouve, c'est un pack, hein, c'est pas. Juste. Ok, non, il y a une carte. Let's go. C'est le dernier pack vintage de ce distributeur. On va voir si on peut avoir une holo du set de base. Si on peut avoir Alligator, ce serait une dinguerie. Si on... Allez, let's go. Montre-nous. Demolos et Celebi. Est-ce que là, c'est dans le bon sens? Attends, je ne vois rien. Alors. Là, c'est à l'envers? Oui. Ok, super. Okay. Donc là, moi je vois avec vous. Je vois avec vous, mais. 3, 2, 1. Oh! C'est bien? Alex Rocker! Oh! Mais Voltali! On est venu derrière du distributeur vintage! Non! Mais non, dans le dernier pack! Let's go! Ah, je suis choquée. Oh, je suis choquée, mais. Oh la dinguerie! C'est pas possible. On vient vraiment d'avoir Voltali? Est-ce qu'on peut voir l'état? Vas-y, viens, on regarde l'état. Non, en bas à gauche, wesh. Wow, c'est une blague. Mais c'est une arnaque, regardez ça. C'est une blague. Il est défoncé, le Voltali, les gars. Oh, je suis dégoûtée. Oh là là. Oh là 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 là. Ah ouais, il est def. Wow, après, pour 500 yens, ça non, mais va, ça, c'est dur en Z. Ouais, mais 3 euros, c'est dur en Z. C'est quand même bien. Cette vidéo se termine extrêmement bien parce qu'on a bien fait d'aller retirer. On a eu l'une des meilleures cartes de ce distributeur. On espère que vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description comme d'habitude pour nous rejoindre sur votre note et avoir vos boosters gratuits. On se retrouve pour plus de contenu, c'était Liam. Ciao!